N'est-ce pas, Yacine? Après, Comment ça se fait que tu es un grand expert comme ça? ah, déjà, je regardais des reportages et mon père, les policiers, parfois, ils m'expliquent. Ah, génial, mashallah, ok. Bah, t'es bien protégé, toi, du coup. Si, t'es bien protégé. Si papa est policier, t'es bien protégé. C'est très, très bien, mashallah. C'est un joli métier. Et les autres, est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, est-ce que vous avez des parents qui travaillent? Et dans quoi ils travaillent? Dis-moi, Suleiman. Maman, elle est infirmière. C'est bien, mashallah. Et toi, C'est bien. Jawed? mon père, il travaille à Audi, Volkswagen et Porsche. Très bien, mashallah. Il fait quoi? De la mécanique ou autre chose? Maintenant, il développe l'application. Oh, génial, mashallah. C'est un Il ingénieur. met les... Et en fait, il développe, quand je dis ça, c'est, en fait, il met les liens, il met comment payer tous les onglets pour acheter une voiture, mais en ligne. Et après, venir la chercher dans le stationnement où il garde les voitures. Très très bien, mashallah. Très bien. Mohamed? Mon père, il est restaurateur. C'est bien. Il cuisine bien, j'imagine? Oh oui. Oh oui. Dans quelle ville, Mohamed? Comme ça, je vais pouvoir passer. À Missy. C'est à Missy, non? Non, c'est à 60. À 60, ok. On va passer, Inch'Allah. C'est très bien. Et Imran, dis-moi, mon grand. Moi, ma mère, elle est aide-soignante et mon père, il Mashallah. travaille à BPI France. Mashallah. BPI France, c'est... Attends, ne me dis pas. C'est un truc d'investisseur, ça, non? Si. C'est ça? Banque pour investisseurs, je crois. C'est pas ça? Banque publique Ok. d'investissement de Ok. France. Très bien, mashallah. Mashallah, très bien. Policier, ingénieur, aide-soignante, restaurateur... à la BPI, c'est que de jolis métiers, ça, mashallah. Dis-moi, Ilyes. Moi, ma mère, elle est comptable et mon père, il est informaticien. Très bien, mashallah. Génial. J'ai moi-même repris des études après avoir eu fait des études de droit immobilier, du travail dans ce sens-là, l'écriture, etc. J'ai moi-même repris là, des études en comptabilité. Dis-moi, Ayoub. Mon père, il travaille en postier et Très bien. ma mère, elle travaille dans les ressources humaines. Très bien, mashallah. Dans quelle entreprise de ressources humaines? Pleine commune. C'est bien. Pour une commune? Non, il y a une entreprise qui s'appelle Oui. Pleine commune. Ah, ok, je connais pas. Ok, c'est bien, mashallah. Souleymane, dis-moi. Mon père, il est bientôt kiné. Bientôt kiné. On lui souhaite de réussir alors, inshallah. On lui souhaite de réussir. Et il y a Ayoub que j'ai pas demandé. Dis-moi Ayoub. Non, j'ai juste oublié Pas de de laisser problème. mon nom. Ilyes. Dis-nous Ilyes. De quoi? J'ai pas entendu la question. J'ai pas Ah, c'est entendu la question. le métier de vos parents. Ah, mais moi, j'ai déjà dit. Ah ok, comme tu as laissé la main ouverte, levée, c'est pour ça que je Ah, demandais. pardon. Non, il n'y a pas de problème, pas de mal. Et ensuite, est-ce qu'il y en a... Ayman, tu as toujours la main levée. C'est fait exprès ou pas? Non, j'ai juste oublié de la baisser, Allez. désolé. Bah, c'est de bons métiers. Juste, je rebondis sur le métier du papa à Yacine, si Yacine me permet. Yacine, son papa, il est policier. Et comme ça va me permettre de dire quelques mots. Puisque nous, aujourd'hui à Montpellier, enfin plutôt hier soir ici à Montpellier, il y a un policier qui faisait un contrôle de police et il s'est fait renverser par une voiture et il était dans un état grave. Bon, maintenant, alhamdoulilah, pour lui et pour sa famille surtout, ça va beaucoup mieux. Et ça me permet de faire une parenthèse sur ça par rapport à la police. Parce que souvent, dans la jeunesse musulmane, il y a cette idée-là que les policiers, ils nous veulent que du mal, que les policiers, ils sont mauvais. Que les policiers sont totalement racistes, que la police, elle veut nous tuer, que la police, ça représente quelque chose de mauvais, etc. Et tout le temps, souvent, quand il va y avoir ce genre d'idée dans une tranche de la population, en l'occurrence dans la jeunesse musulmane, si vous allez avoir cette idée-là,
il y aura toujours une relation conflictuelle entre vous et la police. Mais garçons, nous, en tant que musulmans, en tant que jeunes musulmans, en tant que grands musulmans, en tant que vieux musulmans, en tant que croyants qui croient en Allah Azza wa Jal et en son prophète, pour nous, l'autorité est très importante. C'est très important de respecter l'autorité. Et quand on a choisi dans notre religion, quand on a choisi de vivre dans un endroit, quand on a choisi de vivre dans un pays, on doit respecter les lois et les règles du pays dans lequel on est. Et la police, ce sont ceux qui sont censés faire respecter cette loi-là. Ce sont eux qu'on va appeler quand on aura un problème. Ce sont eux qui vont nous protéger quand on va être harcelé, menacé. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Si vous, déjà, autant que vous êtes là, 17, 20, mashallah, les 20 que vous êtes là, si au moins vous, ces 20-là, vous allez être des jeunes garçons, des jeunes adolescents et des jeunes hommes qui vont respecter la police, falhamdulillah. Et je vous assure que les choses, elles vont changer. Quand vous allez leur parler correctement, quand vous allez être souriant, quand vous allez reconnaître vos torts. Parce que très souvent, j'ai vu des personnes, ils vont, je sais pas, ils vont faire n'importe quoi sur la route. Quand ils se font arrêter par la police, ils vont directement parler mal. Il y a Allah, il y a Salam. C'est lui qui a fait une erreur. Il faut presque que le policier il s'excuse que lui, il a fait une erreur. Non, soyez toujours... Vous allez reconnaître vos torts, reconnaître vos erreurs, être souriant, être poli, être courtois, être civilisé et respecter surtout l'uniforme qu'il y a en face de vous, quel qu'il soit. Mais là, en l'occurrence, comme on parlait de policiers, surtout par rapport à la police. Et quand on aura ça, on aura moins de conflits entre la police et la jeunesse musulmane. Ok, mes garçons, c'est quelque chose qui est très, très important. Quelque chose qui est très, très important. Moi, personnellement, et wallah, je ne le dis pas juste comme ça, personnellement, je n'ai jamais eu un seul problème avec la police. Et même au contraire, plein de fois, j'ai fait des erreurs en conduisant. Par exemple, ça m'est déjà arrivé à ne pas reproduire, s'il vous plaît. Mais je vous le dis maintenant, comme vous êtes jeune, vous aurez le temps d'oublier d'ici le permis. Mais ça m'est déjà arrivé de ne pas respecter des règles du code de la route. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de ne pas respecter un stop ou de ne pas respecter un feu rouge. Mais quand la police, elle m'a attrapé, ils ont vu que je suis courtois, que je vais être souriant, que je reconnais mon tort. Ils ne m'ont pas mal parlé. Ils m'ont pas mis plein de PV juste pour m'embêter, non. Ils m'ont dit, ok, juste ne recommencez pas, monsieur. Vous voyez, Annie, c'est ça, comme ça que vous devez toujours être. Ni avoir peur de la police, ni avoir cette relation conflictuelle avec la police. Et à ce moment-là, simple, basique, efficace, comme dit Ayoub. Aïe, ouais, exactement. Mais même admettons, ils vont me punir et ils vont me mettre là une amende ou un retrait de points. Falham, yani, qu'est-ce que je vais dire? Je vais me plaindre à qui? Je vais me plaindre à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il m'a demandé de respecter la loi. C'est moi qui suis en tort à ce moment-là, vous voyez? Allah yardar alaykoum. J'aimerais énormément que notre jeunesse musulmane, que toute la communauté musulmane, elle va beaucoup respecter ce genre de choses. Parce que sinon, ensuite, on aura beaucoup de soucis. Et imaginez, je finis sur ça, après je vous donne la parole. Si on a une communauté religieuse et musulmane où on a un conflit avec l'autorité, avec la justice et avec la police, imaginez dans la galère qu'on va être demain, quand il y a des fous qui vont prendre le pouvoir, quand il y a des racistes qui vont prendre le pouvoir, et ils vont s'en prendre à nous si on a perdu le soutien de la police. Comment on va faire à ce moment-là? Mais si jamais on a une bonne relation avec eux, et qu'on les a toujours respectés, et qu'on a toujours reconnu nos torts, on va savoir qu'ils vont être justes, et si demain on a un problème, parce qu'il y a des fous qui arrivent au pouvoir, sans dire un prénom par exemple, eh bien, alhamdoulilah, on va savoir qu'on va pouvoir compter sur la police de la République pour nous protéger, n'est-ce pas? Sinon, ça va être... Aywa, Jawad, il vous a cité un des fous qui potentiels, et Ayoub, il vous a cité une des folles potentielles. Je ne vais pas prononcer leur prénom, mais on sait qu'il peut y avoir deux personnes fous ou folles. Aywa, dis-moi Yacine, mon grand. J'ai deux choses à dire. Dis-moi tes deux choses à dire. En fait, de base, mon père, il travaillait dans la mairie de Paris, dans le 16e, je ne sais plus quel arrondissement, et il mettait juste les PV. Et là, depuis lundi, il fait un stage pour passer police municipale. C'est bien. Mais ça faisait 20 ans qu'il travaillait dans la police. Mashallah, très très bien. En plus, moi j'aime bien, mais le gilet pare-balles, il le ramène chaque jour. Moi j'aime bien le porter. Pourquoi tu as peur de... Ça te fait des abdos et des pecs, c'est ça? Non,
j'aime bien. Moi, je pensais qu'il était un mot trop lourd, 1 kilo, mais non, c'est pas lourd. C'est bien. Ça te donne envie d'être policier aussi ou pas? Parfois. C'est vrai? C'est bien. Il aura réussi ça, papa, entre autres choses, j'imagine, bien sûr. Mais entre autres choses, il aura réussi ça, c'est très bien, Machallah. Très, très bien. Il y avait, je crois, Souleymane aussi qui avait levé la main tout à l'heure, mon grand, non? Dis-moi, mon grand. Non, en fait, je me suis trompée. Pas de problème, pas de souci. Aïe, est-ce que vous avez des questions, les garçons? Non. C'est joli, Yacine nous a mis même la casquette maintenant de policier. Aïe, du coup, c'est Yacine qui va faire l'ordre aujourd'hui, s'il y en a un qui fait n'importe quoi. Kaïs, comment tu vas, mon grand? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ça me fait penser, j'ai reçu le tableau des objectifs du habit tracker, pardon, du habit tracker, because I'm English, okay? So, I have Kaïs. Là, j'étais en train de bugger, du coup, je reviens à ma langue maternelle, le français. Si jamais j'ai encore du mal, on finira par l'arabe. Du coup, j'ai reçu celui de Kaïs, celui de Sofiane. Et si ma mémoire est bonne, il y a un troisième garçon que j'ai reçu. Je ne me rappelle pas. Je vais vérifier sur Telegram. Je sais que Kaïs, maman, elle me l'a envoyé. Sofiane, maman, elle me l'a envoyé aussi par mail. Et il y a un d'entre vous, c'est lui qui m'a texté. Nergy 49, c'est qui? C'est Mohamed, Mohamed Amin. Mohamed Amin aussi me l'a envoyé. Du coup, pour le moment, moi, j'ai que ces trois-là qui m'ont donné leur tableau avec les différents objectifs, ok? Je vais vous laisser maximum jusqu'à la semaine prochaine, mardi soir, pas mercredi, mardi soir, pour envoyer votre tableau. Comme ça, je peux compter le total des points, puisque avec ce tableau-là, vous aurez aussi les points, rappelez-vous, ok? Les points, c'était par rapport au habit tracker. Du coup, pas d'inquiétude. On vous l'avait envoyé par mail. Vous pouvez l'imprimer, le faire, et vous me le renvoyez en photo ou bien par mail, comme au choix, ok? Comme vous voulez. Par exemple, Sofiane, il me l'a renvoyé par mail. Attends, pardon, mon grand, comme je parle en même temps. Sofiane, il me l'a envoyé par mail, par exemple, et Kaïs, il l'a envoyé en photo, Mohamed Amin en photo, comme vous voulez, ok? Et moi, je vais regarder qu'est-ce que vous avez réussi à faire comme objectif. Ça va être des points, plus les différents points qu'on a pris dans les cours. Et du coup, mercredi, en début de cours la semaine prochaine, je serai en mesure de vous dire qui est l'heureux gagnant de notre première période ensemble. Ok? Le tableau, il va compter sur 3 semaines. Vous pouvez me l'envoyer en photo. Vous pouvez me l'envoyer en photo, vous pouvez me l'envoyer par mail, au choix, ok? Comme vous voulez. Sur Telegram ou par mail. Moi, j'ai rien encore reçu. Même pas le tableau. Ah bon? Peut-être, c'est quoi votre adresse mail? Je vais te la donner, mon adresse mail. Je vais vous l'écrire directement. Moi, je ne sais pas comment faire. Parce que, en fait, c'est mon père qui récupère tout. C'est qui récupère tout? C'est mon père, sauf que mon père, il n'a pas Telegram. Mais je pense que je vais faire. Demain, mon père, il va... Regarde, il mon grand. Pardon, Yacine, je t'ai coupé la parole. Regarde, je vous ai mis mon adresse mail. Ceux qui ne l'ont pas reçu, vous m'envoyez un mail en me disant « Oustad, salam alaikum » ou bien en anglais, hein, vous inquiétez pas, je peux le lire aussi. Salam, c'est tel garçon, j'ai besoin de la fiche et je vous la renvoie. Ou bien vous m'envoyez directement la fiche dessus, ok? Mais en tout cas, je ne peux pas tout remplir. Tu remplis sur les semaines d'avant, du coup les deux dernières semaines si tu t'en souviens. Sinon, ce n'est pas grave, même pour une semaine, ça sera déjà ça de fait. Ok, c'est toujours ça de prix. Dis-moi, Mohamed. Est-ce qu'on peut avoir votre numéro de téléphone? Bien sûr, pas de problème. Tu ne me harcèles pas à 2h du matin, hein? C'est 07. J'appelle le père à Yacine. Hein, hein? J'ai dit, si tu m'harcèles à 2h du matin, hein, fais gaffe. Hein. Je rigole, je te l'ai mis mon numéro de téléphone. En plus, après-demain, il travaille 17h minuit. Moi, j'avais demandé un numéro spécial, genre que des zéros, pour me différencier, mais ils n'ont pas voulu. Dommage. Imaginez la classe. Ça veut dire quoi, Jawed? Ça, c'est ses sourcils qui se lèvent là comme ça. Attention. Dis-moi, Ayoub. Mardi soir, on va te l'envoyer. Et est-ce que mercredi, quand on fera le cours, est-ce que ça va encore compter les points? Alors, mercredi, en début de cours, du coup, je vous dirai qui est le gagnant. OK? Et ensuite, dès ce jour-là, directement, on recommence tous à zéro. Ok? Et on recontinue avec des points pour le deuxième,
La deuxième période, jusqu'à la fin de nos cours ensemble. Ah, bah, s'il y a des inégalités, vous ferez un Shifumi. Oula. Dis-moi, Jawed. Ou alors, on a tous des cadeaux. Ou alors, vous avez tous des cadeaux. Ça, c'est qui a dit ça? C'est Aïssa? Imran? Ok. Dis-moi, Jawed. On vous avait dit qu'on aura le droit d'un cadeau. Il n'y a pas de limite. Hein. Ah, non, c'est moi qui choisis le cadeau. Ya haram. C'est moi qui choisis le cadeau. Ah non, c'est moi qui choisis le cadeau. Mais non. Non, ne t'inquiète pas, Jawed, je choisis de jolis cadeaux. T'inquiète, ça sera pas un tapis de prière ou ça sera pas un chapelet. Ne t'inquiète pas. Ça sera trop. Ne t'inquiète pas, je choisis de jolis cadeaux. Ne t'en fais pas. Dis-moi, Kaïs. Non, en fait, je voulais juste demander c'était quoi le cadeau, mais... Ok, je sais pas encore. Franchement, aucune idée. Je vais réfléchir. Oh là là. Je vais réfléchir, Inch'Allah. Oh là là, ils ont peur. Vous croyez que je vais vous offrir quoi? Un petit truc comme ça, c'est ça? Non, ne vous inquiétez pas. Un livre. Non, non, ne vous inquiétez pas. Un cadeau pour vous, de votre âge, que vous allez aimer, ne vous inquiétez pas. Bien, on va commencer avec le début de notre cours. Pensez à mettre muet, les garçons, sauf quand je vous donne... la parole, non, rien de religieux, ne vous inquiétez pas, je sais que ça va vous ennuyer sinon. Rien de la religion, on va le laisser de côté, ne vous inquiétez pas. Non, pas une PS5, mais là, il y en a un m'a envoyé en message privé une PS5. Voilà, entre, au milieu, entre la religion et la PS5, ça sera au milieu, Inch'Allah. Ok. Allez, le début de notre cours, s'il vous plaît. Alors, la dernière fois, on était en train de faire avec la culture coranique et on avait dit plusieurs informations concernant la culture coranique, n'est-ce pas? On avait donné plusieurs détails et on devait avancer sur le sujet de les bienfaits des différentes sourates. Sur ça, en fait, en réalité, je ne vais pas le faire avec vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais le traiter en vidéo et elle va être sur YouTube. Je comptais déjà le faire et du coup, ça ne sert à rien que je vais vous le faire en même temps à vous et sur YouTube. Du coup, cette partie-là du cours, si ça ne vous dérange pas, vous irez la regarder directement sur ma chaîne YouTube. Ok? Je vous mets ici le nom pour ceux qui ne l'ont pas. Hop. Vous irez vous abonner. Je vais vous la faire à la mode Twitch. Vous pensez à vous abonner, à liker, ok? Un truc comme ça. Et ensuite, tout simplement, vous aurez cette partie-là du cours qui sera mis sur YouTube. Je sais pas quand. Du coup, d'où le fait des notifications, de la petite cloche bleue, etc., etc. Ok. Ensuite, maintenant, on peut passer à une autre matière ensemble. Cette matière-là, elle s'appelle. Je vais te donner la parole, Jawed. Cette matière-là, elle s'appelle les branches de la foi. Ok. Les piliers plutôt de la foi. On va traiter ensemble les piliers de la foi. Ok. Puisqu'elle est aussi dans votre programme, dans les choses qu'on était censé travailler ensemble. Avant ça, le temps que vous écrivez les piliers de la foi, dis-moi, Jawed. Juste avant, je voulais vous dire que, vous savez, moi, j'ai déjà tout fait. Hein. C'est-à-dire? Je me suis abonné, j'ai liké toutes vos vidéos. Machallah. J'ai mis la cloche. Je vous ai même mis un truc comment ça s'appelle? En commentaire. En commentaire. Hein. J'ai une question. Mashallah, Jawed. Allah yarda mon grand. Tu aimes les vidéos? C'est vrai? Alhamdulillah. Oui. Je les regarde plein là. J'en ai regardé 5 là. Vous savez les vidéos d'une heure que vous faites là? Oui, mashallah. Mashallah. Ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. J'ai une question. Dis-moi, mon grand. Est-ce qu'il y a autant de pubs que dans les autres vidéos? J'ai pas compris. Dis-moi. Est-ce qu'il y a autant de pubs que dans les autres vidéos? Voilà, je sais pas du tout. Je suis pas rémunéré sur YouTube. J'ai pas atteint le nombre d'abonnés requis. Donc s'il y a des pubs, c'est pas moi qui. Une vidéo de 30 minutes, il y a 15 pubs, c'est trop. Je sais pas, je crois pas parce que je suis pas rémunéré, donc je pense pas. Ça c'est quand on est rémunéré, je crois. Moi quand je regardais vos vidéos, il y en avait zéro des pubs. Voilà, bah Jawed vous a répondu. Alors, la suite, les piliers maintenant de la foi. Comme vous savez, mes garçons, dans l'islam, nous avons deux types de piliers. On a ce qu'on appelle les piliers de l'islam et il y a ce qu'on appelle les piliers de la foi. Okay?
Les piliers de l'islam, vous les connaissez, c'est le fait de dire, de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, et que Mohammed, alayhi salam, est son messager. Le deuxième, c'est de faire la prière. On aura l'occasion de revenir sur la prière. C'est de payer la zakat, mais ça, pour vous, vous n'êtes pas concerné. C'est un revenu imposable, comme en France. À partir d'un certain revenu annuel, on est imposable. Dans l'islam, il y a aussi ce point-là. Il y a le pèlerinage au moins une fois dans sa vie, pour ceux qui ont les moyens de santé et financiers. Et enfin, il y a le jeûne de Ramadan, qu'on aura aussi peut-être l'occasion d'y revenir, puisque Ramadan, c'est bientôt, et on aura l'occasion d'en reparler, ok? Mais ça, ce sont ce qu'on appelle les piliers de l'islam. C'est la structure. Imaginez l'islam, c'est comme une maison, mes garçons. Lorsque, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous que papa ou maman, ils travaillent dans la maçonnerie, on a dans une maison, quand on veut construire une maison, on va d'abord couler une fondation, ok? Ce qu'on appelle couler une dalle. Ça, c'est le premier pilier de dire « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Ensuite, vous avez en général quatre murs. Sauf si, je ne sais pas, vous avez une big, big maison, un big, big château, ok? Mais une maison normale, en général, quand vous voulez la dessiner, ce sont quatre murs, ok? Ces quatre murs-là, vous allez imaginer que c'est les quatre autres piliers de l'islam, ok? Et ensemble, ça forme donc une maison. Ensuite, vous avez la foi. La foi, c'est ta relation, pour l'expliquer de la manière la plus simple pour vous et à votre âge. La foi, c'est quelque chose qu'il y a entre toi et Allah Azza wa Jal. C'est ta manière d'adorer Allah. C'est ta manière de communiquer avec Allah. C'est ta manière de prier Allah. C'est ta manière de suivre ce que Allah Azza wa Jal t'a demandé. Ok? Eh bien, dans la foi, il y a plusieurs branches de la foi. Il y a plusieurs chemins dans la foi. Il y a plusieurs éléments dans la foi. On compte par exemple à peu près 70 éléments, mais nous on va pas faire les 70. On va s'occuper, s'intéresser qu'aux 6 principaux qui sont les piliers de la foi. C'est ceux qui vont faire l'objet de notre cours, ok? Peut-être on n'aura pas du tout le temps de le finir aujourd'hui, on va voir. Mais au cas où, on le finira la semaine prochaine, Inch'Allah. Avant ça, j'ai deux questions. Dites-moi, Yacine et après Souleyman. Ah, tu es muet, Yacine. Oui, c'est est-ce que on va devoir nous dire les piliers de la foi? Ouais, je vais vous interroger. Je vais vous interroger. Juste ne regardez pas sur Cher Google. Non, moi je les connais déjà. Parfait. Attends alors, pas maintenant. Merci. Pas maintenant, attends. Dis-moi, okay. Souleyman. On va apprendre combien de piliers? 6. 6. 6. Seulement 6 pour le moment. That's it. Just that. And mais maybe we will do more. We will see. On va juste faire ça et ensuite on verra si on en fait d'autres, Inch'Allah. Mohamed, dis-moi. J'avais un petit temps sur YouTube et j'ai écouté votre dernière vidéo. Allah yarda alik, mon grand. C'est gentil. Bien, du coup, les 6 piliers. Le premier pilier, qui peut me le dire? Du coup, Yacine, il avait demandé en premier. Est-ce que tu peux me le dire? Croire en Allah. Aïwa. Le premier pilier, pour nous dans la foi, le premier pilier, vous pouvez l'écrire, c'est le fait de croire en Allah Azza wa Jal. Maintenant, qu'est-ce que ça va signifier pour nous, le fait de croire en Allah, mes garçons? Le fait de croire en Allah, Azza wa Jal, pour nous, ça veut dire quelque chose. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Ce que vous allez apprendre à l'école française, à l'école républicaine, à l'école laïque, on va apprendre que, en SVT, si ma mémoire est bonne, c'est dans cette matière-là qu'on va vous l'apprendre, on va apprendre que la création des cieux et de la terre, la création de toute chose, elle s'est faite à l'origine à travers une explosion qui s'appelle un Big Bang, ok? En physique. Ah, les garçons, attends, s'il vous plaît, levez la main, comme ça au moins, vous ne parlez pas en même temps. En physique, merci mon grand. Du coup, on va apprendre que c'est à travers une explosion. Vous n'avez aucun problème à apprendre ça, ok? Et constamment, toujours mes garçons, il n'y a aucun souci avec le fait d'apprendre tout ce que l'école française, elle va vous demander d'apprendre. Non, on a aucun souci avec ça, ok? Même si ce n'est pas des choses qui, pour vous, elles sont intéressantes, ou elles ne vous paraissent pas logiques, ou elles ne sont pas, comment on va dire, par exemple, même pour vous, par exemple, on va dire ça va être du n'importe quoi. Quand vous allez être plus grand et que vous allez aller en terminale, vous allez faire des cours de philosophie, bon, il y a certaines idées de certains philosophes que tu te dis, je ne sais pas, c'est tiré par les cheveux, même si moi, je n'en ai pas, ok? Arrêtez de rire. Mais du coup, ce serait tiré par les cheveux. C'est comme ça que j'ai perdu les miens. D'autres philosophes, vous allez vous dire, non, c'est vrai, il a raison. Quand vous allez faire de l'économie à la fac, il y a certaines idées économistes, vous vous dites, c'est du grand n'importe quoi.
D'autres économisent, vous allez vous dire, oui, ça c'est vrai, c'est intéressant. À l'école, mes garçons, c'est exactement pareil. Il va y avoir des théories que vous allez apprendre. Vous avez le droit de vous dire pour vous-même, c'est n'importe quoi, mais vous devez quand même les apprendre, ok? Donc, on fait la part des choses. Maintenant, quand eux, ils vont vous enseigner, plutôt quand la science, elle va nous apprendre que tout a été créé à l'origine à partir d'une explosion. Cette chose-là qu'ils appellent un Big Bang, une explosion, si vous regardez exactement qu'est-ce qu'ils disent, en gros, leur définition, en gros, grosso modo, c'est que un jour, il y a quelque chose qui a déclenché la création de tout, mais cette chose-là, il y a personne qui l'a créée, cette chose-là. Je me réexplique. Pour eux, tout a été un jour créé à partir de la décision de quelque chose, mais cette chose-là qui a tout créé, personne ne l'a créé. Ok ? Ça, c'est leur définition. Ben, cette définition-là, c'est nous la définition qu'on donne de Allah Azza wa Jal. On dit que Allah, c'est quelqu'un qui a tout créé, mais lui, il n'a pas été créé. Du coup, ce que eux appellent la nature, nous, on l'appelle Allah. Ce que eux, ils disent le néant, nous, on l'appelle Allah. Ce que eux, ils appellent le ground zero, le point zéro, le début de toute chose, nous, on l'appelle Allah. Ok ? Est-ce que vous arrivez à comprendre ou pas ? C'est-à-dire que pour nous, eux, ils disent que tout a été créé un jour à travers une explosion, mais que personne a déclenché cette explosion. Nous, on dit exactement comme vous, sauf que nous, on est dans l'étape juste d'avant. On dit que c'est Allah qui a créé cette explosion-là, et Allah, lui, personne ne l'a créé. On a juste rajouté, nous, une étape plus loin, ok ? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que j'essaye de dire ou pas ? Baissez les mains, s'il vous plaît, et relevez-la que si vous avez une question sur ce que je viens de dire. Comme ça, je peux savoir. Aïwa, vous gardez la main levée que si c'est une question sur ce qu'on vient de dire. Du coup, Ayoub, dis-moi, mon grand. Non, c'est bon, j'ai pas de questions. Pas de problème. Du coup, aucune. Parfait. Ça veut dire que vous avez bien compris. Alors, alhamdoulilah. Donc, pour nous, croire en Allah, ça signifie cela. Vous pouvez le noter. Croire en Allah, ça veut dire le fait de croire qu'il est le premier sans début et il sera le dernier pour nous sans fin. C'est pour nous, c'est lui qui a tout créé, mais personne ne l'a créé, tout simplement. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Bien sûr. Pour nous, Allah Azza wa Jal, croire en Allah, ça signifie le fait de croire que c'est lui qui a tout créé et que lui, par contre, il n'a pas été créé. Il y a un verset dans le Coran qui dit « Si tu leur demandes, à ceux qui ne sont pas musulmans, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire Allah. » Aujourd'hui, si tu demandes à un non-musulman, il ne dit pas le mot Allah. Mais ce qu'il te donne comme explication, c'est ce que nous avons appelé Allah Azza wa Jal. Ok ? C'est-à-dire pour eux, ils vont dire ben, « ça s'est fait comme ça ben, ». Nous, on dit « ce comme ça-là, quelqu'un qui s'est fait comme ça et que personne ne l'a créé, il était déjà là avant tout, il n'y avait pas de début, il était déjà là. » Vous, vous appelez ça la nature. Nous, on appelle ça Allah Azza wa Jal. Ok ? Ça va ? Ça va ou pas ? Alhamdulillah. Du coup, quand on comprend ça, on peut se dire que il ne faut pas du coup tomber dans l'erreur que certains vont faire de critiquer les philosophies ou les idées des uns et des autres. Si quelqu'un, il ne croit pas en Allah, mais il croit dans la science, laissez-le, c'est pas grave. En réalité, il dit exactement comme nous, simplement nous, on n'a pas appelé ça la nature, on n'a pas appelé ça une science, on n'a pas appelé ça le hasard, nous, on a appelé ça Dieu, tout simplement. Et peut-être que cette personne-là, un jour, elle va se rendre compte de quelles sont nos idées, qu'est-ce que nous on dit exactement, et peut-être qu'elle sera convaincue, et Inch'Allah Ta'ala, elle va rentrer dans l'islam, tout simplement. Si elle n'est pas convaincue, si elle se dit non, vous racontez n'importe quoi, c'est pas grave, tant pis, elle reste dans sa religion, ou elle reste dans ce qui n'est pas une religion pour elle, elle peut rester agnostique, elle peut être athée, elle peut être juive, chrétienne, bouddhiste, peu importe, nous on n'a aucun problème. Nous simplement, on est là pour leur expliquer. Nous disons que c'est Allah Azza wa Jal qui a tout créé. Vous voulez y croire, bismillah. Vous voulez pas y croire, bismillah aussi. Tant pis, pas de problème, ok ? Ça va jusqu'ici ou pas ? So far, so good. Ok.
Et oui, Case. Et oui, Jawed. Oustad, il parle un peu en anglais quand même. Ok, ça c'est pour le fait de Allah Azza wa Jal, le premier pilier. On peut aussi dire par rapport à ce premier pilier, on peut aussi dire sur ce premier pilier que la sourate qui va le mieux résumer ce point-là, ce pilier-là, c'est laquelle, mes garçons, qui peut me dire quelle sourate va le mieux expliquer ce que je viens de dire sur l'unicité de Allah Azza wa Jal. Dis-moi, Ayoub, mon grand. C'est soit Sad. Non. Dis-moi, Imran. Surat al-Ikhlas. Aïwa. Surat al-Ikhlas, al-Ikhlas, pardon, qu'on appelle également Qul huwa Allahu Ahad. Ok. Très bien. Cette surat-là, j'étais en train de te chercher pour te mettre le point, d'où le fait que j'ai fourché dans ma langue. Cette surat-là, elle va expliquer le mieux, le plus complet, parce que ce sont les mots de Allah Azza wa Jal et non plus les miens, que ce que je viens d'expliquer. Le fait que Allah Ta'ala est un Dieu unique et sans associé. Ok ? Le deuxième pilier maintenant de notre foi musulmane, c'est lequel ? Qui peut... Mohammed, dis-moi. Ah, oh, son messager ? Aïwa. Mais presque. Je te compte comme... Aïwa, tous les messagers. J'allais te dire, je te compte quand même le point. Croire dans tous les messagers, dans tous les prophètes, ok? Alors, nous disons que, à peu près, Allah Azza wa Jal, environ, ok? Environ, il a envoyé 124 000 prophètes. Depuis le début, depuis Adam, alayhi salam, jusqu'à Muhammad, alayhi salam, qui est le dernier. Il y a eu à peu près 124 000 prophètes qui ont été envoyés. Pour combien d'individus sur Terre? Qui le sait? Combien il y a eu d'individus, d'hommes, avec un grand H, hommes et femmes, sur Terre? Dis-moi, Imran, on va faire le juste prix. Dis-moi, Imran. Pas Imran, pardon, c'est Jawed qui lève la main. Sorry. Sorry, guys. Dans toute la planète, c'est autour de 10 milliards ou un truc comme ça. Moi, c'est bien plus... Plus. Dis-moi, Yacine. Attends, je l'avais vu il n'y a pas très longtemps, c'est 12 milliards 500. Plus. Mais... Dis-moi, Sulayman. 24 milliards. Combien? 24. Plus. Ilyes. Je parle... 12 000. Je parle... 12 600. Je parle depuis Adam jusqu'à maintenant, la Terre, elle a compté combien d'individus sur Terre? Combien d'hommes et de femmes? Plus que 12 000, mon grand. 12 000... Ah non, pas 12 000. Nous, rien qu'ici, dans ma métropole à Montpellier, on est à plus que 16 milliards. J'avais dit plus que 25 milliards déjà. Dis-moi, aide-moi celle. 40 milliards? Plus. Dis-moi, Caïs. 100 milliards? 50 milliards. Plus. Il y a quelqu'un que j'ai pas demandé. Quelqu'un à qui j'ai pas demandé. Galaxy A12. Le nom, il est bizarre. Dis-moi, Galaxy A12. 72 milliards. Plus que 72 milliards, Galaxy. Quelqu'un que j'ai pas demandé. Ce que j'ai déjà demandé, attendez, baissez la main par justice. Après, je vous réinterroge. Comme ça, je me confonds pas. Ayoub, je t'ai pas demandé? Vas-y, du coup, si j'ai pas demandé à Ayoub, vas-y. Combien, Ayoub? On t'entend pas? Ah, tu l'as écrit. Oula, attends, il faut que je compte les zéros, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 100 milliards. Il y a marqué 100 milliards? Plus que 100 milliards. Plus que 100 milliards. Quelqu'un qui j'ai pas demandé, Ilyes. 600 milliards. Beaucoup moins. Et Imran? Moi, je dirais 500 milliards. Non, 108 milliards. 108 milliards. Oustad, il vous a dit le vrai chiffre. 108 milliards, ok? Il y a eu 108 milliards. C'est Ayoub et Sulayman Bey qui se sont rapprochés le plus.
108 milliards d'individus. Sur ces 108 milliards d'hommes et de femmes, pensez à mettre muet les garçons, s'il vous plaît, que t'es la plus proche, Terre enfin, a... C'est pareil, pareil. Tous les deux, vous avez dit 100 milliards. Du coup, là, sur les 108 milliards d'individus que la Terre a compté, il y a eu environ 124 000 prophètes. Le premier d'entre eux, c'est Adam, notre père, le père de l'humanité, ok? Et le dernier d'entre eux, il s'appelle Mohammed, alayhi salatu salam. Ok? Ça va jusqu'ici? Très bien. Allah Azza wa Jal a donc envoyé ces messagers-là, ces prophètes-là, pour enseigner la loi, pour enseigner, quand on dit la loi, c'est-à-dire pour enseigner c'est quoi les règles du bon comportement, c'est quoi, par exemple, qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est dans, avec ces messagers-là qu'on a appris, par exemple, comment vivre en société, comment se comporter avec les individus, avec les uns et les autres. C'est grâce à eux aussi que, par exemple, on va apprendre comment on doit respecter le règne animal, comment on va respecter les végétaux, comment on va devoir fructifier la planète, comment on va devoir adorer Allah Azza wa Jal, comment on va devoir servir la volonté de Dieu, comment on va pouvoir ou devoir, je sais pas, moi par exemple, les différentes règles finalement qu'on va pratiquer en tant que personne de confession musulmane, ok? Puisque pour nous, tous les 124 000 prophètes, de Adam jusqu'à Mohammed alayhi salatu salam, ils sont tous musulmans, tous. Donc dedans, vous avez par exemple Jésus, mais que nous on appelle comment? Issa. Aïwa, Issa alayhi salam, ok? Issa alayhi salam, bismillah. On aura dedans Moïse, que nous appelons comment? Moussa. Moussa alayhi salam. On aura dedans, par exemple, Ayoub, que les chrétiens et le peuple d'Israël appellent comment en langue française? Ayoub. Non, il n'appelle pas Ayoub. Comment il s'appelle en langue française? Ayoub, du coup, je vais te donner ton prénom, l'équivalent de ton prénom dans la Bible. C'est quoi? Demain, tu vas arriver à l'école, tu vas leur dire je m'appelle comme ça. Non. Non. Du coup, toi... Je veux dire, c'est mieux Ayoub que dans... Bon, moi, je préfère Ayoub, c'est plus joli. Mon petit frère, il s'appelle Ayoub. C'est plus joli, Ayoub. C'est beau, Ayoub. Ouais. Mais mon petit frère, je l'appelle Bouya. C'est en verlan. Ouais, moi aussi, je m'appelle Bouya des fois. Ah ouais? Tu t'appelles à toi-même Bouya? Ouais. Du coup, qui peut me dire, Mohamed, dis-moi, c'est qui Ayoub dans la Bible? J'ai juste oublié de baisser la main. Pas de problème. Pensez à baisser la main les autres, du coup. Imran, dis-moi, mon grand. Ah, t'es en muet, mon grand. Je vous mute à chaque fois pour ne pas que j'entende le bruit derrière. J'ai envie de baisser la main. Pas de problème. C'est Job. C'est pas l'homme le plus patient, là? Il fait partie de ceux qui ont fait preuve de beaucoup de patience, Aïwa. Pas forcément le plus patient. C'est vrai que souvent, on entend ça, mais de ceux qui ont fait qui ont montré beaucoup de patience, en tout cas. Et en langue française, il s'appelle Job. Mais moi, comme je suis anglais, si je vois Job, je pense au travail. Tu vois, Job. Du coup, c'est pour ça que c'est mieux Ayoub. Caïs, il est en train de faire comme ça. Je ne sais pas s'il se dit, Oustad, arrêtez là. Coupez. Les blagues, non. Au bout d'un moment, arrêtez, s'il vous plaît. Du coup, on a ces différents prophètes-là, ok? On connaît, en réalité, on connaît le prénom que de 25 prophètes. C'est-à-dire, on sait que Allah Azza wa Jal a envoyé 124 000 prophètes, mais nous, on a la liste de classe, dans la liste d'appel, on a le prénom que de 25 d'entre eux, ok? Et normalement, chaque année, quand je dis ce cours-là, je donne un défi aux garçons par groupe. Je leur dis, allez, vous allez vous prendre 5 minutes et tous ensemble, vous allez me donner la liste des 25. Et si vous y arrivez, je vais vous donner une grosse somme d'argent. Mais avec vous, je ne peux pas le faire. Non, Jawed, avec vous, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes à distance. Il y aurait un risque. Il y aurait un gros risque. Non, il y aurait un trop gros risque. Je vais vous coordonner et tout. Il y aurait un trop grand risque avec vous. Mais ici, les garçons à Montpellier, je leur donne un temps, par exemple 10 minutes, et je leur dis, allez, tous ensemble, vous avez ce temps-là, bismillah.
Et du coup, on écrit au tableau, on écrit sur une feuille les différents prénoms. Et même, je les aide en leur donnant 2-3 prénoms comme ça. Et du coup, à la fin, parce qu'à la fin, il n'y arrive jamais, aucun groupe, depuis 11 ans que je fais Da'wa, il n'y a jamais les 25 prénoms qui sont sortis d'un coup. On peut le faire, mais sans l'argent. On peut faire sans l'argent, mais il faudrait que je sois sûr et certain qu'aucun d'entre vous ne regarde sur Internet. Est-ce qu'il y aurait une récompense au lieu de l'argent? Ça serait quoi du coup la récompense? Ce serait bizarre. Quelle serait la récompense? Pour vous tous en même temps, à distance, ce serait quoi? Une PS5, mais... quoi? Ça va pas, non? Non, en fait. Tout simplement, non, pas de PS5. Oustad, j'ai une question. Dis-moi, Agnès. Ça va avoir... C'est quoi le nom de votre... Je l'ai mis plus haut, mon grand. Oustad Marwan, remonte la conversation. J'ai été déconnecté, du coup, je peux plus voir. Ok. Si un d'entre vous, il peut lui remettre, s'il vous plaît. Du coup, essayez de prendre... Allez, on va se prendre quelques minutes. Vous avez, par exemple, 5 minutes. Mettez les messages sur le chat seulement. Ne levez pas la main, du coup. Mettez les prénoms que vous avez en tête des prophètes par message. Alors, Mohamed, ok. Ah, Yacine, t'as écorché le nom de Rasulallah. C'est pas grave. Pensez à mettre muet, les garçons. J'entends du bruit derrière vous, s'il vous plaît. Hop, pensez à mettre muet, s'il vous plaît. Alors, on a... je vois Mohamed 1, Ilyas, Nour, Issa, Zakaria. Vous en avez 5. Adam, 6. Idris, 7. Houd, oui. Salih, Ibrahim. Lout et Ismaïl. Vous en avez 12 pour l'instant. 12. 13 avec Ayoub ici, je vois. 13. Ishaq, ok. 14. Yahya, 14, ça fait 15. Vous en avez 15. Yaqoub, 16. Vous en avez 16. L'autre, il a déjà été dit. 16. Youssouf, ça fait 17. Vous êtes à 17 prénoms. Salih, il a déjà été dit. Moussa, 18. Moussa, ça fait 18. Shoaib, 19. Shoaib, 19. Younous, 20. Younous, 20. Haroun, 21. Aïwa, mashallah. Idriss, 22. Mashallah. Heureusement que je ne vous ai pas dit le défi. Hein. J'aurais été ruiné là. Haroun, on était à 22 avec Haroun. Sulaiman, 23. J'ai mal compté, je crois. Alors, attendez. Attendez, je remets. Hop. Attendez avant de rajouter des prénoms. 30 secondes. Je vous coupe le temps. Juste, je réécris ce que vous avez noté, ok? Alors, on a Zakaria que vous avez dit. Vous avez dit Lot. Vous avez dit Daoud. Hop. Je les écris juste, hein, ok? Un instant. Vous avez dit Sulaiman. Je vois dans le chat. Vous avez marqué Moussa. Vous avez marqué Yaqoub. Moi, je l'ai compté, même si vous m'avez marqué Jacob. Hein. Vous avez dit Haroun. Très bien. Idriss. Tac. Ensuite, Youssouf. Aïwa. Ensuite, Younous. Vous l'avez noté. Tac. L'autre. Aïwa. Shoaib. Aïwa, Shoaib, Youssouf, il est déjà noté, Moussa, je l'ai écrit, Salih, je ne l'ai pas écrit, hop, Salih, ensuite on a Ayoub, tac, Ayoub, ok, Yaqoub, du coup, est-ce que j'ai noté, je l'ai noté, Yahya, tac, non, donc je l'écris. Ensuite, Adam, bien sûr. Adam. Ishaq, Aywa. Tac. Ismaïl également, bien sûr. Ismaïl, Ibrahim, bien sûr, parmi les grands prophètes. Ibrahim, alayhi salam. Ayoub, on l'a écrit. Aywa, je le vois.
Où est-ce que j'en suis? Ici. Ibrahim, il est noté. Oud Salih. Oud, je ne l'ai pas écrit ici. Donc, Oud. Attendez. Mes garçons, mettez muet, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez muet. Comme ça, on ne vous entend pas. Allô, allô, les garçons qui n'ont pas mis muet. Là, je vois Mohamed, Yacine. Mettez muet, mes garçons. Non, Yacine, pardon, il était muet. Hood. Hop, Zakaria, est-ce que vous l'avez noté? Je l'ai marqué ici. Tac. Issa. Il y a Imran, non? Attendez, j'ai dit, s'il vous plaît. Attendez. Nous. Hop. Comme je dois tout relire, c'est pour ça. Ilyes. Et bien sûr, Mohamed que vous avez cité en premier. Ok, là, je vous ai envoyé le message. Donc, vous avez noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aïwa, Aliasra. Mais là, je crois que j'en ai écrit deux fois le même. Vérifiez dans mon message, est-ce que j'ai écrit deux fois le même? Parce que là, j'en compte 24, mais il vous en manque deux. Aliasra, ça fait 24 avec Aliasra. Il en manque un seul. C'est Oman. Non. Imran. Non. Bachir. Daoud. On l'a noté. Daoud, je l'ai compté. Bachir. Non. Souleymen. Non. On l'a noté. Idriss. Idriss, il est compté aussi. Ah oui, t'en as fait deux la même. Oui, je vois ça. C'est Lout. L'autre, il est compté. C'est Aïwa. C'est Ilyas, il a mis. Ilyas, il a mis le dernier qui vous manquait, c'était Zulkifl. C'est qui? Zulkifl. Zulkifl. Ilyas, c'est de tête ou bien c'est Internet? J'ai demandé à quelqu'un. Patrice. Yahya aussi, non? Trop jeune. J'ai bien fait de ne pas vous dire. Allô, les garçons. Yahya. Ah bah, la triche. Relas. On a, ça y est, vous avez les 25. Du coup, j'ai bien fait de ne pas vous dire un cadeau. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est combien la somme de base? La somme, c'était beaucoup. Mais bon, alhamdoulilah. Allez, du coup, mes garçons, s'il vous plaît, ne vous démutez pas sans que je ne vous ai pas donné la parole. Comme vous êtes nombreux, au moins, on s'entend tous. Donc ça, c'est par rapport aux messagers. Ça implique quoi pour nous, ce pilier-là, concernant les messagers? Ça implique pour nous le fait de croire avec certitude que Souleymane, mon grand, ne... Attends, pas comme ça, s'il te plaît. Hein. Attends un instant. Du coup, ça implique pour nous quoi? Ça implique de croire dans les messagers, de penser qu'ils ne commettent pas de péché, qu'ils sont les meilleurs hommes que la terre ait porté. C'est ça que vous devez noter, s'il vous plaît, les garçons. Pas sur le tchat ce que vous êtes en train de mettre. Si on va simplement mettre la liste comme ça, on n'est pas avancé. Mais c'est le cours qu'il y a derrière qui est important. Du coup, pour nous, ça veut dire quoi? Croire dans les messagers. Croire que c'est Allah Azzawajal qui les a choisis. C'est Allah Azzawajal qui les a envoyés. Croire qu'ils sont les meilleurs hommes que la terre ait portés. Croire aussi qu'ils sont totalement parfaits. Ils ne peuvent pas commettre de bêtises. Ok? Pour nous, ils ne peuvent pas commettre de bêtises. Croire dans les messagers, c'est aussi pour nous de croire dans le fait qu'ils vont avoir des miracles. Des miracles qui vont être différents selon les prophètes. C'est croire aussi que Allah les a choisis pour transmettre un message, soit pour eux-mêmes, soit à transmettre à d'autres personnes. Et plus tard, au paradis, il y aura des prophètes, chaque prophète sera avec sa communauté, avec son peuple, et il y a certains prophètes qui n'auront pas d'élèves,
Parce que Allah Ta'ala leur a dit, vous êtes des prophètes, mais vous allez enseigner à personne, c'est que pour vous-même. Et il y a d'autres prophètes qui sont venus et qui auront un grand peuple. Par exemple, parmi les prophètes qui ont un grand peuple, c'est le peuple, le prophète Moussa ou encore le prophète Haroun. Ils ont un grand peuple avec le prophète Issa, etc. C'est le peuple d'Israël qui est un très très grand peuple, ok? D'autres prophètes, eux, ils auront un tout petit groupe de personnes, ok? C'est par exemple le prophète Ibrahim, alayhi salam. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cru en notre bien-aimé Ibrahim, alayhi salam. D'autres prophètes, et c'est le cas de du dernier prophète, notre bien-aimé Mohammed, alayhi salam, lui, il va être avec le plus grand groupe, parce que lui, il a été envoyé à l'humanité entière. Et donc, parmi les prophètes, certains sont envoyés pour eux-mêmes, d'autres pour un groupe, d'autres pour une tribu, d'autres pour tout un pays, d'autres pour toute une région, un continent, et d'autres, et c'est le cas que du prophète Mohammed, pour l'humanité entière, ok? Est-ce que ça va jusqu'ici ou pas? Ça va, vous ennuyez pas les garçons? Non, pas du tout. Alhamdoulilah. Jibril, ça va mon grand? Alhamdoulilah. Du coup, voilà pour le fait de croire dans les prophètes. On croit aussi, concernant ces prophètes-là, ce qu'on doit croire dans ce pilier-là, c'est le fait que pour nous, tous les prophètes sont déjà allés faire le pèlerinage à Mecca. Ok? On pense qu'ils sont tous allés à Mecca. On croit aussi qu'un jour, Allah Azzawajal a ressuscité les 124 000 prophètes, environ, ok? Le chiffre n'est pas exact, environ. Que Allah Azzawajal les a tous ressuscités et qu'il a pris son prophète Mohammed alayhi salam et il l'a fait voyager de l'Arabie Saoudite actuelle, de Mecca, jusqu'à la Palestine actuelle, à Jérusalem, et il les a fait tous ressusciter et ils ont prié derrière le prophète alayhi salatu salam. Et ils ont tous dit, La ilaha illallah, Mohammed Rasulullah. Et c'est vrai? Bien sûr. Enfin, en tout cas, moi j'y crois. Ok? C'est par exemple quand Allah Azza wa Jal, il raconte ce voyage-là dans la sourate Al-Isra. On raconte ce voyage où le prophète a voyagé de Mecca jusqu'à Jérusalem. Et là, tous les prophètes ont été ressuscités et ils ont prié derrière le prophète, alayhi salatu salam. Et ce soir-là, ce jour-là, le prophète, alayhi salam, va parler avec chacun d'entre eux. Et puis Allah Azza wa Jal va le faire monter dans les cieux. Il va monter dans les cieux, ok, le prophète, et il va y avoir des choses qui vont se passer dans les cieux, mais là, je vous donne que le scan. Le scan de l'histoire, c'est qu'il est monté dans les cieux. On verra l'épisode plus tard, Inch'Allah. Petite référence aux amateurs de One Piece parmi vous, ou de l'attaque des titans, ou des mangas de manière générale, avec les scans. Et ensuite, lorsque le prophète va redescendre, de là, ensuite, il va reprendre la route, le chemin pour entrer à Mecca, ok? Ça, c'est ce qu'on doit croire autour des prophètes. Que Dieu leur fasse miséricorde. Oustad ? Oui ? Juste par rapport à tout à l'heure, vous avez dit avec les objectifs, je vous ai envoyé mes objectifs. Parfait, c'est bon mon grand, pas de souci. Je regarderai mes mails sur plus tard. Sur votre mail. Parfait. Donc là, on a fait maintenant deux piliers, ok ? On a fait le premier, croire en Allah Azza wa Jal. Et le deuxième, le fait de croire dans tous les messagers. Ça va jusqu'ici? Parfait. La semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on les finira ou on les continuera. On verra si on aura le temps de les finir. Et maintenant, si jamais vous avez des questions, vous allez pouvoir me dire. Et je vais aussi faire l'appel. Je vais vous dire les garçons que j'ai notés présents ou comme j'en ai oublié. Au moins, vous pouvez me le dire. Et en même temps, s'il y a des dernières questions. Ok?